Salut à tous les amis, c'est Rico de la chaîne Acer Prod. Et moi c'est William de la chaîne Lost Land. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve dans une exploration urbaine qui n'était pas prévue au programme. Pas du tout. Voilà, c'est Will qui l'a trouvé sur, en fait, pour sur la route. Pour la petite histoire, moi, j'avais vu ce bâtiment, mais j'étais pas sûr que ce soit abandonné. Donc aujourd'hui, parce qu'en fait on n'est pas tout seul, il y a avec nous Parigo. Au final, c'est bien abandonné, et voilà. En plus c'était ouvert. C'est de prendre c'est plutôt pas mal, donc c'est assez sympa. Donc on va faire cette petite visite, j'espère que ça va. En même temps, j'ai profité pour faire des photos pour mon site internet. Donc je mettrai dans la description le lien de mon site internet, et d'ici, je pense, un mois, il y aura les photos de ce lieu. Donc allez, on va commencer un peu l'exploration, en même temps faire des photos et on va voir ce que ça donne ce lieu. Allez, c'est parti, à tout de suite les amis. J'ai fracassé. Par contre, pour ceux qui me suivent, le lieu est abandonné depuis peut-être 20 ou 30 ans, a priori, selon les estimations. Et vous voyez que le toit, il est neuf. Donc c'est assez bizarre. On avait fait un lieu comme ça il n'y a pas longtemps où le toit était neuf et le lieu abandonné depuis plusieurs années. Mais je ne saurais pas me rappeler de quel endroit il s'agit. Ah, il y a un escalier dehors, donc je pense que... On va aller voir un peu l'étage de l'autre côté, en espérant que ce soit pas effondré comme ici. Mérite parce que ceux qui me connaissent connaissent ma corpulence. Ça passe. Regardez là. Et le problème c'est que moi j'ai le vertige. Ah. Donc si je vois le bas, pour ceux qui me suivent ils connaissent. Donc, ça c'était a priori une grange ou une garage. Là on peut voir qu'il y a la végétation de partout, de la verdure. Vous voyez les amis, il y a quelques secondes, donc on était au-dessus. Il y avait du coup des couteaux. Pour toi c'est quoi ça, ce qu'on dirait des trucs pour les chevaux? Ouais, non mais ça c'est certain, c'est pour les chevaux, on en retrouve un peu de partout dans les masques que j'ai pu faire auparavant. Donc, Est-ce que t'as ça? Ça c'est on dirait une... Une selle peut-être, non? Pas une selle de cheval? Ouais, c'est ça. Alors ça, pour ceux qui me suivent, ça me fait un peu penser à la conserverie de fruits les amis, qu'on énorme. Avait fait il y a plus d'un an et demi en arrière. Les amis, c'est une Peugeot 504, donc à mon avis, pour les connaisseurs, ça va être un modèle, mais alors de chez vieux, de chez vieux. Les amis, c'est l'intérieur de la voiture, c'est magnifique. Ah, les amis, j'ai réussi à ouvrir le capot de la Simca. Il y a tout le moteur, quoi. Ah, merde. Ah, malheureusement, l'intérieur, les amis, c'est fermé. Les amis, là, je suis en train de faire les photos, mais la moquette, elle est vraiment kitsch. Hein. Il y a donc qu'il y avait des genres de fleurs, je sais pas quoi. Mais... Parce que ça finit le spot, il est vraiment... Pas gaffe, on met les pieds parce qu'il y a des trous un peu de partout. C'est vraiment... Là,
pas du vécu, hein, très clairement. Il, je sais pas trop. Sûrement, on dirait comme un truc à flotte. Peut-être pour le raisin, sûrement. Après, il faut faire super gaffe parce que là, ici, là, on a la poudre qui s'est complètement écroulée. Et on a le premier étage qui est complètement foutu. Parce qu'en face, là où vous voyez le mur, c'est peut-être pas abandonné. Il faut faire gaffe. Tu penses que les deux pièces qu'il y a sur la gauche, c'est des chambres? Ouais, je pense. Ça aurait été une chambre, oui, mais ça, par contre, c'est quand même un petit peu de chambre. Ça, je pense que ça doit être une chambre, mais là, c'est petit. C'est petit pour une chambre. Ah oui, effectivement. C'est un peu petit, quoi. Ouais, mais très petit. Hein. Par contre, il y a encore la belle tapisserie, regarde. Ouais. Et ça doit être le salon, lui qui a la vieille cheminée. Ouais, petite cheminée et tout. Ouais. Bon, en tout cas, bon, il n'y a plus grand-chose, il y a pas mal de safety qui couvert avec ces deux voitures. Écoutez, j'ai failli me prendre ça. Ah ouais, faire attention. Hein. Bon ben voilà les amis, la visite de ce MAS, non? C'est ça qu'on peut dire. MAS, oui, un MAS provençal. MAS provençal, ouais. Elle est terminée. Et du coup, vous voyez, on a eu deux belles surprises avec les deux voitures. C'était la Peugeot 504 et la Simca 1000. En fait, malheureusement, c'est un MAS qui a pris très clairement cher. Il n'y a plus de toit, il n'y a plus de plafond. Donc, mais en fait, et tout est en bordel. Il y a une pièce, c'est. Un genre de charrue, une charrette, ouais, je sais pas quoi, ouais. Il y a plein de bouteilles de vin, il y a des accessoires, il y a une pour les chevaux, là, je sais pas, j'y connais rien. Ouais, c'est ça, tout ça. Et dans la pièce de derrière, on s'y attendait pas du tout, il y a une vieille 504 et une Simca, et bourrée de poussière, mais je pense, ouais. Mais à son propre quand même. Après voilà, je pense que le lieu, enfin du moins on pense que le lieu a été abandonné, au vu de la poussière sur les voitures, ça doit faire au moins 20 ou 30 ans que c'est plus... facile. C'était un petit spot quand même, mais sympa. Ouais, que ces deux voitures, franchement, ça va être cool. Par contre, petit conseil pour les gens qui font de la photo en urbex, ne pas faire la même erreur que moi. C'est-à-dire partir sur un spot et oublier la carte mémoire de l'appareil photo. Ça, c'est con, ça. Ça il faut faire très attention. Ça, ouais. C'est pas lourd, ça. Je suis mauvaise sur le coup, mais bon, c'est pas grave. Il y aura quand même la vidéo. Voilà. Bon, bébé, on va vous laisser là. On vous dit à bientôt. Voilà, à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.